Bonjour. Et oui les amis de Café Gaming, j'espère que vous allez bien, c'est Flo de la chaîne Café Gaming. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai craqué sa mère, comme on peut le dire en français. J'ai craqué sa mère. J'ai craqué sa mère. Oui, je vais spoiler un petit peu ma collection full set Nintendo Switch, toi-même tu sais. El Famoso, le mec français du 54 qui fait full set de la Switch. Et je me spoil bien sûr, je m'en bats les couilles. Voilà. Et donc, ouais, je me suis craqué. Je voulais faire juste une vidéo pour ça. Une petite unboxing de la Nintendo Switch Lite, bien sûr. On va comparer quand même à ma belle Switch normale que je vais chercher, Inch'Allah. Par contre, ne vous intriguez pas, ne vous inquiétez pas parce que dites-vous que la Switch. Origine, bon là vous voyez Joy-Con, il est en train de dire oui il a un noir à côté un rouge. Oui c'est vrai. Parce que quand même la Switch a quand même des soucis avec les Joy-Con, dont l'histoire de drift, et surtout les Joy-Con qui se barrent quand, en étant portable. Donc ça j'ai le souci aussi, ça de. Ah, j'ai pas le souci du drift, mais j'ai plus le souci avec les Joy-Con qui se barrent automatiquement. Ça vient des ressorts, donc voilà. Donc oui, voilà, j'ai ma Switch normale, hein, Tom tu sais, voilà. Donc je me sers spécialement pour les lives. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas consacrer cette Switch pour les lives. Bon peut-être bon, oui les lives. Mais je vais plus aussi me consacrer aussi pour ça sera plus spécialement pour les streams. Voilà, ok. Je sais pas, après il faut que je voie si je peux mettre mon compte Switch Online sur la portable. Donc le Lite, bon, je vois si je peux mettre. Ça serait très cool que je pourrais jouer avec, avec mon compte dedans. Donc j'ai peut-être faire des petits parsuites de Splatoon. Ça serait vraiment génial. Et même si le chat s'amuse comme une conne. Et t'amuse pas à appuyer sur le câble de l'iPhone. Parce que je suis dans la merde avec ce câble d'iPhone de merde. Toi-même tu sais. Mais bon, voilà. Donc, alors, j'ai pris la bleue turquoise. Je n'ai... voilà, je dédicace la boutique Game Cash de Nancy, bien sûr. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Oh, mais quelle merde. Putain. Bon, vous savez quoi, je vous dis à tout de suite. Je vais essayer de voir un tutoriel comment... Bon, voilà. Bref, je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, on fait au plus vite fait. Voilà. On fait au plus vite. Hein. Je vais plus... Putain, Isaac. J'ai pas d'ongle, je suis désolé. Ça, c'est un truc qui me stresse. Hop, on fait au plus rapido. Erasmo, t'entends cette musique, ça fait danser les rats. Hein. C'est parti. Hop. Tac, 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 tac. La console, voilà. On commence déjà la plus en plus importante. Voilà. La plus en plus. La notice. Hop. Et l'alimentation. Donc, on m'a dit qu'apparemment, c'est la même alimentation que la Switch normale. Donc ça c'est un truc cool, ça je crois que le chargeur je vais le laisser dedans. Et donc et voilà quoi, donc un truc génial. La Switch, voilà, elle est là, hop, on va essayer d'allumer. Je crois que je vais vous l'allumer avant, peut-être hors vidéo. Voilà. Nintendo. On va pas très bien voir. Nintendo. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout de suite parce que j'ai plus de batterie. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Bon, il fait un peu de nuit, hein. Ouais, il fait pas de nuit, il fait juste un peu sombre. Avec le temps qu'il fait. Alors oui, ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo et je me suis dit merde, je suis un peu à la bourre pour cette Switch. Alors ouais, donc on va dire quelques semaines plus tard parce que j'ai eu trop de soucis personnels. Mais voilà, donc la Switch Lite, voilà. J'ai vendu quelques trucs d'à côté, mais voilà. J'ai un petit peu décoré en plus, t'as vu. Le petit multi-protection joystick que j'avais mis, bah, c'était le Joy-Con noir. Franchement, la Switch, j'y ai joué. Alors, j'ai mis quelques jeux dedans. J'ai mis Tetris 99, j'ai fait pas mal de parties en ligne dessus. J'ai mis Pokémon Evoli. J'ai joué aussi à Let's Go Evoli, bien sûr, le Let's Go Evoli, bien sûr.
Mais bon, bref, j'ai joué à pas mal de jeux, dont Senran, etc. J'ai joué à pas mal de jeux dedans. Franchement, je me suis dit, ouais, ça va, j'ai bien comme petite partie quand même. Franchement, des petits jeux sympatoches. Franchement, la console, totalement, elle est portable, hein, on est bien d'accord. Très très portable. Les Joy-Con, il n'y en a pas, donc ça c'est bien. Il y a, bon, apparemment, j'ai entendu dans les sites web qu'apparemment, il y a des gens qui ont des problèmes, mais aussi des sticks comme les Joy-Con Grips, bien sûr. Voilà quoi, moi j'ai joué, franchement j'ai joué à pas mal de jeux, j'ai joué même joué à la SNES, aux jeux SNES classiques. Franchement il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout, j'ai pas de problème, j'ai joué à des jeux, je vous montre des petits gameplays que je vous montre. Je n'ai aucun souci avec cette console, franchement j'aime bien, c'est une console portable qui me plaît bien. Des fois ça m'arrive de jouer à ma Switch normale et c'est, franchement je trouve ça génial que la Switch normale pour moi ça me sert, parce que voilà, ça me sert vraiment aussi pour maintenant cette Switch normale pour moi c'est la Switch dock, donc en gros c'est la console de salon pour moi ça. Bah après ça arrive de jouer aussi en portable avec celle-là, que de jouer avec aussi, voilà, que je me joue avec les deux comme ça. Mais oui, ça m'arrive de jouer aussi en portable avec le Switch normal, mais j'aurais plus cette Switch là en console de salon, spécialement pour les lives YouTube ou des vidéos YouTube. Que celle-là je peux jouer tranquillement de mon côté, etc. Même si j'ai une personne qui vient chez moi, elle est telle qu'une sœur, qu'une de mes sœurs veut jouer à la console, bah, elle jouera avec la Switch Lite, et moi pendant que c'est, je jouerai avec la Switch Pro, avec la Switch normale. Après, je me suis dit aussi peut-être une petite question, si la Switch, il y aura peut-être aussi une Switch Pro, je ne sais pas d'après ce qu'on m'avait dit, des rumeurs, hein, les rumeurs ça saute partout, cette Switch Pro peut-être, si elle, voir ce qu'elle a dedans, après si, si ça me tente très bien, je me prendrai aussi la nouvelle Switch, soi-disant pro, mais on attendra dans quelques années plus tard pour voir ce que Nintendo va nous dire. Mais franchement, la Switch Lite, elle est géniale. Pour moi, pour une petite console portable, elle est géniale. Donc après, voilà, spécialement, franchement, pour moi, après, on peut mettre une carte SD, on peut mettre nos jeux. Bon, par contre, on peut, pour jouer à des jeux comme What to Switch ou autre style jeu, il faut avoir un Joy-Con connecté avec. Donc moi, les Joy-Con sont sur ma Switch normale, donc je pourrais pas les mettre. Voilà. Mais donc après voilà quoi, c'est franchement ouais, c'est une pure bonheur. Bon après par contre pour le online, je suis pas sûr, j'ai pas testé. Pour le online j'ai pas testé, mais je suis sûr que c'est le même souci, il faut qu'il faut avoir un câble Ethernet, mais bon, jouer avec ça en câble Ethernet, je trouverais pas ça génial. Je trouverais pas vraiment ça génial, mais bon après à voir. Après mes idées, franchement moi pour jouer à Smash Bros dessus, je crois que je ne verrais pas jouer à Smash sur une console portable, je verrais plus jouer à Smash Bros sur ma console de salon quoi. Mais franchement ouais, d'un côté j'aime bien, moi, franchement après j'ai des jeux dedans, bah, j'ai des jeux vraiment physiques dedans, j'ai le Tetris 99 franchement qui est vraiment génial. Pour moi c'est voilà quoi, c'est c'est idéal, franchement moi je vous montre un petit test après. Là je crois que dans la petite vidéo vous voyez un petit test au moins en train de jouer à Tetris 99, etc. C'est vraiment génial. Mais bon, d'un côté franchement la Switch Lite, si vous n'êtes pas vraiment console de salon, prenez-la, mais pour l'online je suis pas sûr. Après Tetris 99 avec l'online, franchement je n'ai jamais de problème avec. Et ça c'est vraiment très très génial. Franchement pour moi c'est une mythe. Mais pour les autres jeux comme Smash Bros ou autre, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas joué. Et moi Smash Bros je joue que en salon parce qu'avec les Joy-Con, les joysticks de Joy-Con pour moi c'est pas jouable pour moi. Ce n'est pas jouable pour moi et c'est difficile quoi. Donc voilà. Donc voilà, donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à partager. Franchement ça ferait peut-être plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Café Gaming. C'était Fondation Café Gaming et moi je vous dis ciao ciao, bye.